Et un 8,8, applaudissez le poète, s'il vous plaît. Dans l'arène, l'art du ballon rond règne. Des silhouettes ondulent derrière ce ballon rond qui titube. Footballeur, magicien jongleur, des artistes qui font du ballon un vrai bonheur, une vraie passion. Panenka, roulette, flip-flop, passement de jambe, matchet, pichenette. Figures artistiques, techniques, magiques qui mettent les tribunes en panique. Paris est magique. Dans l'arène, les gladiateurs modernes défraient les chroniques. Pour ma part, statique comme une statue dans ce stade, je sens ce qui se passe dans ces cerveaux de passereaux ayant fait leur nid dans les tribunes. Et une thèse s'impose. Pour prouver qu'il a des burnes dans son futal, l'homme doit être dans les tribunes comme un porc qui râle. Le voici aujourd'hui notre sport mondial, où le supporter devient insupportable. Je ne fais pas de généralité, je ne fais que dire la vérité. Il doit sûrement exister des supporters sensés qui savent se modérer et respecter les grilles de sécurité. Les fans de football diront que ma thèse est une vraie foutaise. Fiers de cet art du ballon rond, ils me mettront la tête au carré. Foot, thèse. Dans la foule se défoulent des fous. Les passent, les passent pas, les tiennent, les tiennent pas, les mettent dans le filet, les mettent pas, les gagnent ou les gagnent pas, les gagnent ou les gagnent pas, ou les gagnent ou les gagnent, ou les gagnent, ou les gagnent. Extrémistes, fumistes, violents, fourbes supporters qu'il faudrait faire taire. Foot, thèse. Dans l'arène, l'art du ballon rond règne. Mais n'oubliez pas cette thèse. Pour prouver qu'il a des burnes dans son futal, l'homme doit être dans les tribunes comme un porc qui râle. Voilà aujourd'hui notre sport mondial, où le supporter devient insupportable. Alors, foutaise, ma foutaise, point d'interrogation.